Ils se préparèrent à faire la guerre. Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser von Karstein, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve sur Total War Attila pour l'épisode 15, soit l'avant-dernier, soit le dernier de la campagne avec les Huns d'Attila en légendaire. Donc je vous retrouve après une grosse ellipse, au moins une vingtaine de tours. J'ai continué de construire l'Empire, j'ai pas fait de conquête. La seule chose que j'ai fait en mouvement diplomatique, c'est la déclaration de guerre à l'Empire romain d'Orient, tout simplement. J'ai mobilisé 6 armées pour la campagne contre l'Empire romain d'Orient en Dardanie pour récupérer la province rapidement. Et après, on verra en fonction de faire un petit pillage en Grèce si on a le temps. Donc au moins piller une ou deux cités. Et essayer de faire tomber Constantinople en bataille, sur le champ de bataille. Voilà. Donc c'est pour ça. J'ai d'autres armées mobilisant aussi. Donc ça nous fait 6 belles armées. J'ai laissé quelques armées aux frontières, notamment une ici du côté de Flevum, qui est en cours de formation, parce que je me suis aperçu que les Romains d'Orient avaient des cités en Grande-Bretagne. Donc une petite armée ici pour défendre Flevum, je pense pas que ce soit une mauvaise idée. Bon, il y a quand même une garnison correcte, mais on n'est jamais trop prudent. Donc on va commencer par l'offensive en Dardanie pour récupérer la province. On va commencer par l'armée d'Attila. On a plus de tireurs, donc on va faire ça. On perd 400 hommes, ça va. On va occuper. Première armée qui s'en sort, donc ça va. Nos troupes, notre armée n'a pas trop souffert. Par contre, là, effectivement, on va détruire des bâtiments. On va garder la ville comme à ce niveau-là. La prise de Scoopy, maintenant, c'est la prochaine. Hop, on récupère 3% ici. Les deux armées qui prennent un point de tradition. Donc je vais mettre des ruines de Rome, comme ça c'est bon. Et là c'est par contre une compétence d'armée, je vais faire ça. Ça c'est bouclé. Les joueurs pour mettre... Ah, il a plus de mouvement lui. Par contre ce qui est marrant, c'est que la première armée n'a pas pris de perte, mais la deuxième oui. On va juste les alterner comme ça. Ça réglera le problème. Donc je vais juste descendre la petite ville au niveau 3. Là je vais détruire ça. Je sais pas en quoi je vais reconvertir par contre. Et enfin, la ville de Serdica va tomber à son tour. On va piller occupé par contre. Parfait. Donc là on a récupéré toute la Dardanie. On est à 3 cités de la victoire. Donc récupérer la trace pour que l'Empire d'Attila se fasse comme convenu. Donc à savoir occuper Rome et Constantinople. Hein. Et on rappelle dans l'histoire, Attila s'est détourné de Constantinople parce que les murailles c'était un peu compliqué. On a une tradition d'armée. Défenseur du camp, ruine de Rome aussi. On a des bonus pour la cavalerie ou les tireurs, j'ai l'impression. Donc on va faire ça. Là c'est pareil. Et ce qui est bien maintenant, c'est que toutes nos armées ont des gros onags. Donc peut-être que pour l'assaut de Constantinople, avoir une petite batterie de gros onags, ce serait pas de refus quoi. Donc là j'ai rue 5. Hop, on va monter. Et on va réduire l'entretien de l'armée. À Serdica, on va... Ça c'est quoi? On va le garder ce bâtiment là, ça on va le détruire. Et ça on va le descendre d'un cran. Ça c'est bouclé, bon. Est-ce qu'il y a une autre armée qui n'a pas eu ses améliorations? Ouais, celle-là non plus. Donc on va déjà améliorer les généraux pour les tirs. Et après, on verra ce qui nous attend. Au niveau de la politique, pour le moment, ça va. Donc, par chance, le fils adoptif d'Attila, comment il s'appelait, Abzig, donc c'est encore un autre. Hein. Il a eu deux enfants. Donc là, Attila, il a des petits-enfants, donc deux fils.
Un fils et un petit-fils et une petite fille, donc ça c'est cool. Par contre, je vois qu'on a des fonctions qui sont parties. On va faire ça. On va mettre lui, il est encore là. Reva. On va le mettre chef tribal. Tarkan. On va le remettre compagnon. Karaton, on va le mettre ancien. Nimrod, on va le remettre ici. Kotomi, on va le remettre. Donc là, j'ai fait l'erreur de le descendre. Est-ce qu'on peut annuler? Non. Les bêtes, on va les remettre ici. Et il n'y a plus personne. Ok. Bon, là, on est plutôt en bonne position. Je vais surveiller un peu l'armée. Que fait l'armée romaine à Constantinople? Est-ce qu'elle va venir vers nous ou non? Ça, c'est Bien, un doute. donc apparemment, il y a deux armées romaines d'Orient qui ont tenté de venir attaquer l'armée menée par Ingrone, sauf que bah ils ont pas poursuivi. Donc là je me dis qu'il y a une opportunité de détruire ses forces quoi. On a plus de tireurs que dans l'armée, donc on va y aller en mode défensif. C'est une victoire ici, en plus toutes leurs artilleries vont être capturées. On va récupérer 12% de nos hommes. Et la bonne nouvelle, c'est qu'avec ces forces anéanties, on va pouvoir. Hop. Alors, je disais, la bonne nouvelle avec les forces qu'on va anéantir, donc on tue l'empereur dans un premier temps. On vient de leur faire un gros coup dur, là, ça c'est cool. On voit encore un nouveau général qui gagne un rang ici. Et là-bas, ouh, lui, il a un petit peu souffert par contre. Alors, je vais voir les deux autres armées là. Alors, elle est dans quel état? Elle a bien souffert aussi, hein. Je vais couper comme ça. L'autre armée. Hop, je vais la mettre en position défensive aussi. Et là, ce qui est bien, c'est que la trace va commencer à être conquise. Donc ça, c'est bien. On récupère une mine d'or. On va descendre la ville de Trimontium au niveau 3. Un nouveau le général qui a pris un rang. On va rajouter plus de puissance d'impact pour la cavalerie. Ce sera très bien. Je vais remettre mon armée ici. Et avec cette armée-là, on va rien faire pour l'instant. Et avec Attila, je pense qu'on va partir attaquer Marcianopolis. Donc là, ça va être compliqué. Avec une armée, mais avec deux, je pense, la garnison va vite sauter, quoi. Parfait. Nous contrôlons quasiment toute la trace. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Et j'ai peut-être un petit plan pour Constantinople. C'est qu'on a une flotte là avec des catapultes. On va peut-être aller essayer de. On va se préparer ici. On va essayer de recruter d'autres navires à catapultes. Ça pourrait être utile. Effectivement, donc on aurait 12 navires à catapultes. La flotte de Constantinople, je ne sais pas ce qu'elles font en garnison. Bon, ça va, c'est correct. Mais bon, pour le moment, on se méfie parce que j'avais vu qu'il y a une armée qui est peut-être débarquée du côté de Corinthe. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc actuellement, on est plutôt en bonne position. Il ne nous reste qu'une colonie à récupérer. Donc déjà, en Dardanie, on va refaire les cités à la sauce, à la mode unique, vous savez. On va faire quoi d'autre ici? On est en Dardanie. On va faire une taverne ici, ça sera pas mal. Là, on va le détruire. On va reconvertir la cité. Et ici, c'est la même chose. Ça, on va le détruire. Ça aussi, ça aussi. Voilà, donc déjà, il y aura de la déconstruction qui s'effectue. Et ça, c'est bien. Une colonie, il nous reste à prendre, hein, je rappelle.
Là, nos archers, on les avait oubliés, mais c'est bon. En Dardagne, on fait plus rien. Là, on n'a rien à faire. On va regarder un peu si on n'a pas d'autres constructions à faire dans l'Empire unique. En Italie, nous, on a ça. Oh, ici, il y a de la cavalerie qui doit être améliorée. Parfait. Ah oui, il y avait cette armée-là. Il y avait des rebelles, on avait été les détruire. Mais bon, là, on va se retirer. Du Courtouroum, on a... Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a une forge. On va faire pour l'artillerie. Et ce sera très bien. En Belgique, on n'a plus rien à faire pour le moment. En Frise, non. Là non plus. Godiskanza, il y a beaucoup de choses à bâtir. Est-ce qu'on a terminé? Est-ce que j'ai terminé des constructions? Oui, les ports de niveau 4 sont terminés. Ce qui fait qu'on a tous les bâtiments nécessaires, je crois. Il ne nous reste plus qu'à récupérer la cité de Constantinople et ce sera bouclé. Mais bon, je pense qu'on va aller d'abord piller un petit peu la Grèce, hein, le mérite. Donc ce que je vais faire. On va commencer par piller ta Thessalonique. On va mettre à sac 6000 de récupérer dans l'affaire et on va raser. Ensuite, on va repartir en Dardanie. Par contre, l'armée là elle a bien souffert, donc on va se calmer un peu. Hop. Il restera plus qu'à piller d'Irakium, je pense, et ça devrait être pas mal. Les Rugiens sont unis contre nous. Ils sont où, eux? Les Rugiens, vous êtes grotesques, vous savez ça? Speak. Come on. Do not waste time. Better spend on va lui réclamer de l'argent parce que, bon, il l'a mérité. Hein. On va lui réclamer 1500 pour les compensations militaires. 2000. Our struggle will end badly and with little honor for anyone. Parfait. Et lui, on peut pas faire la paix parce que c'est un état client du Roman Dorian, c'est ça? Alors, par contre, les Perses, là, comment ils vont? Ah, ils nous aiment beaucoup d'accueil. Et bon, on va continuer. On va calmer nos conquêtes, on va reformer nos armées. Et tout le monde sera content. Bien, on se retrouve pour l'été 463. Donc, il y a pas mal de déconstructions qui ont lieu en Dardanie et en Thrace. On va continuer. Donc Dardanie, c'est bon. On va reconvertir les cités concernées ici. La mine d'or, on s'en moque. Là, on s'en moque. Voilà. Ok. Les armées vont se reposer, bien sûr. Donc, ce que je vais faire, je vais décaler l'armée ici. Hop. Et toi, tu vas rentrer dans la cité. Parfait. Je vais rajouter un puits à Vinacium pour commencer la croissance ainsi que l'hygiène publique de la province. Cette armée. Donc pour le moment, les armées gardent les frontières. Est-ce qu'on ne devrait pas tenter un blocus à Constantinople avec la flotte? Alors déjà, je vais me mettre ici. J'ai 13 navires avec l'amiral, je pense que ça devrait suffire. Et alors, quelle armée n'a pas subi trop de dégâts? Donc les deux n'ont pas subi trop de dégâts, mais j'ai envoyé cette force faire un peu de pillage. Pour provoquer un peu et mettre encore un gros malus dans le public. Oui. On est bien, on est bien, on est très bien. Cette armée-là, je vais la décaler. Et elle va descendre en Thrace. Ça c'est fait. Pas d'autres constructions dans l'Empire, peut-être à l'est.
Ouh, il y a de la construction à l'est, effectivement. Donc à Transcaspie, on va essayer de bâtir. Ici également. J'avoue que l'est a été un petit peu délaissé, hein, c'est pas bien. Mais bon, là on rééquilibre un petit peu la donne. Et je pense que ça devrait aller. Et je pense que cette flotte-là, on va la ramener en support aussi pour Dirakum. Je vais tester aussi les navires là, les Coromonarion grec à feu grec, pardon. Ça devrait aller. Je pense qu'avec ces deux flottes là, ça devrait le faire. Ouais. Au pire, je repartirai en Dalmatie pour reformer des troupes. C'est pas un souci. Donc voilà pour cet été. On passe en automne. À tout de suite. Bien. Il y a des séparatistes macédoniens qui ont apparu près de Corinthe. Donc on va les laisser faire pour le moment. Là on peut faire pas mal de reconstruction, donc on va faire du plomb, on va faire une ferme ici, une autre ferme ici, et un artisan. En trace, c'est pareil, on termine la déconstruction, et on va aller voir pour un petit pillage, une petite razzia du côté de Dirakum. Je vais également ramener la flotte. Ça ne suffit pas encore, mais là avec la troisième armée, je pense que le compte devrait être suffisant. La Grèce est une province riche de l'Empire romain, donc on va essayer de lui faire le plus de dégâts possible à l'économie. On a perdu un dromon dans la ferme, c'est rien. On va piller. Alors, tradition d'armée en plus, ça c'est bien. On va essayer de booster ça rapidement. Et derrière, Dirakum est un souvenir du passé. Alors, là pour le moment, on a peut-être un coup à jouer. La garnison, elle est pas folle non plus, je veux dire. Et on va peut-être tenter quelque chose. Vous allez comprendre. Alors, déjà, ok. Alors mon plan, on va rajouter le plus de nacs possible à l'armée d'Attila. La cavalerie de choc, je vais la supprimer. Voilà, la supprimer, la retirer de l'armée. Et je vais rajouter le plus de gros onagres possible. Après, non, on n'a plus de cavalerie. Est-ce que en 1v1 ça passerait? C'est ça la question. Il y aurait que la flotte qui viendrait aider après. Enfin, la flotte de garnison. Et monsieur mon onagre. Qu'est-ce qu'on peut retirer? Que mon amiral a la bataille de nuit ou pas? Il l'a pas. C'est un peu fâcheux ça. On va tenter l'assaut de Constantinople avec l'armée d'Attila tout seul. Ouais, on va tenter avec en une seule armée, ça fera 1600 hommes. 1603 plus, allez, 72. Ils auront un peu plus d'hommes que nous, mais je pense qu'avec les onagres, on devrait récupérer. On devrait rééquilibrer la donne rapidement. Donc, je vous retrouve pour l'assaut de Constantinople. Et on se retrouve pour l'assaut de Constantinople. C'est la dernière colonie qui se tient entre nous et la victoire militaire. On va essayer d'occuper cette ville avec l'armée d'Attila. Donc, j'ai remplacé des unités de cavalerie de choc par des larges onagres ou des gros onagres. Genre, ça me fait 3 unités. J'espère que ça suffira pour passer, pas prendre trop de dégâts. Et après, on verra ce qui nous attend. Ensuite, derrière eux, j'ai placé
les guerriers UAD d'élite qui ont été promus et qui sont l'air plutôt en forme. Les archers UA derrière, l'unité d'élite. Ici, j'ai laissé les lanciers scrir ainsi que les cavaliers uniques sur le côté, au cas où la flotte de garnison arrive. Et ici, tous les archers montés et Attila qui voit les murs de Constantinople et qui souhaite prendre sa revanche sur les Romains d'Orient, puisque, on le rappelle dans l'histoire, les murs de Constantinople l'avaient forcé à rebrousser chemin. On est parti. Là, le plan, ça va être de vite faire un trou dans cette porte ou pas. Parce que je vois que là, il y a les zonas qui peuvent nous tirer dessus. Et je vais tout de suite organiser le tir. Ah, ils nous shootent déjà un gros zone. Ils essayent de prendre notre général. Défendez-le. Voilà. Oui, ils sont téléguidés les onagres chez les Romains. Je dis ça, je dis rien. Mais... Une partie du mur qui est écroulée. Ça y est, l'un des onagres a été abattu ici. On va prier que le dernier. Et là, on va essayer d'endommager les tours. Ouh, il y a un régiment qui a mangé là avec la chute de pierre. Pour qu'il ne le touche pas, pour qu'il ne le touche pas. C'est mort. Non, ça va, c'est l'autre onagre qui le couvre. C'est vraiment monstrueux les gros onagres, j'adore. Dommage, donc on a perdu un régiment de nos gros onagres, mais bon, c'est pas grave. L'une des tours vient d'être abattue, c'est cool. On va abattre la deuxième, comme ça on sera tranquille. La flotte de Constantinople a commencé à arriver. Qui c'est qui me tire dessus? Ouh, Attila se fait tirer dessus, c'est l'onagre, c'est ça? Ok, on va replier toutes nos troupes, toute notre cavalerie. On va essayer d'accueillir la marine de Constantinople. Bon, ça c'est bien joué. Ok, donc là c'est bien. La porte ici elle a cédé. Est-ce qu'on devrait pas endommager ce... Il y a un mur qui est endommagé à 20%. Là, pourquoi pas essayer de l'endommager? Maintenant il faut attendre ce que préparent ce que font les archers. Ça va être la grosse équation. Ouh. Il y a une bonne portion du mur là qui peut s'effondrer si on fait un trou assez grand. On pourrait rentrer dans la cité là. The enemy's walls crumble before our might. Oh là là, le régiment de Limitanaï, il passait de 120 à 34, ça c'est bien aussi. Oula, les archers débarquent. On va y aller. The enemy's walls are down. Alors là, il y a un petit bug encore, bien sûr. Bon, c'est bien. Je vais redonner mes archers de tir au tir lourd ici. Il nous reste encore des munitions d'onagre, oui. On va agrandir la brèche. Par contre, le TK, merci. Il nous reste encore des unités, là. Bon, c'est bien. Les premiers marins sont en train de craquer. Là, la brèche, elle va être suffisamment grande. Je vais rajouter encore une portion ici. Comme ça, les guerriers devraient avoir la place nécessaire pour rentrer dans la ville. Pour le moment, ça se passe bien. Les marins sont submergés. Notre cavalerie fait le job ici. Je vais par contre ordonner à mes archers de monter et d'arrêter le tir. Parce que le TK on connaît. Ouh.
Ok. Je vais ordonner à mes guerriers d'entrer. Avec la belle brèche qui a été faite ici. Je vais également envoyer les guerriers scrire là, dans la brèche. Mais bon, au moins le point positif, c'est que la marine ne nous posera plus de soucis. Et ça, c'est bien. Je vais aussi envoyer les cavaliers d'Attila dans la brèche en support. Pour moi, la brèche là, elle est largement grande. Toutes nos troupes peuvent y aller. Hein. Alors, qui nous tire dessus? C'est la tour, je suppose. Ouais. Par contre, là, il va falloir faire attention. On va voir ce qui nous attend. Ça y est. L'ennemi se pointe là. On va essayer d'aller chercher. Il y a du people là. Hein. Il y a une belle bataille à mon avis. On va aller chercher les lanciers là qui sont amouchés. Par contre, c'est pas logique que les tours puissent tirer de derrière, mais bon, c'est comme ça. Les lanciers scrolls, vous allez dire en support contre la cavalerie. Il y a déjà une unité de l'Imitané qui se retrouve complètement. J'ai lâché la frénésie. Il me reste une unité, la guerrière qui garde cette porte. Par contre, il faut que j'envoie les cavaliers de Uni chercher les archers, quoi. J'envoie une charge de cavalerie dans le dos ici. Ouh, le moral là, il est en train de flancher chez eux, c'est plutôt pas mal. Là, le gros de l'infanterie est complètement encerclé. Je vois qu'il y a deux unités de guerriers qui sont libérées. Je vais aller aider là-bas pour que la cavalerie les tienne en milieu. Et là, avec mes archers montés, je vais rentrer dans la cité. Regardez-moi ça. Guerrier, allez aider là-bas, il y a des scouts à taille encore qui se battent. Oh là, il y a encore les quelques. Donc là, il y a quelques archers qui craquent, c'est bien. On est en train de leur faire mal au niveau du moral, bien sûr. On a perdu une cavalerie complète, mais bon, avec ce qui arrive derrière, là, je pense que la bataille devrait être gagnée. Les archers montés, là, il y a une unité de lanciers qui gêne. Au tir lourd, s'il vous plaît. On a d'autres scouts à taille là-bas. Parfait. Maintenant, il faut voir avec Attila si on peut pas aller chercher le palais de Constantinople. Ils ont encore combien d'unités ici? Allez, les gars. Là, je vais chercher le point de victoire avec la cavalerie. Derrière, il nous reste quoi? Des archers. Les archers, ouais, il faut qu'on les fasse rentrer. Je les avais zappés, ceux-là. Allez, les gars, frénésie. On
a perdu toute notre cavalerie. Et je vais utiliser mes guerriers Skiri pour passer, c'est flanquer les Scutatoi. Ils ont du mal à lâcher. Hein. Et je vais me placer là et je vais essayer de faire du tir dans le dos, quoi. Et bien sûr, eux, ils nous font mal. Et comment vous voulez pour lâcher vos javelots, hein? Ils en ont rien à foutre. Pour le moment, il n'y a personne. Il me reste une autre unité de Scutatoi en réserve. Ça, ils sont en train de craquer, là. Je vais rendre incassable mes guerriers. Et là, les UA, vous allez chercher les archers. Mais apparemment, la bataille serait déjà terminée, mais il faut qu'on trouve pas le général de... Enfin, le chef de garnison. Ah, Constantinople. The enemy have rallied their units. Quoi? Non, mais c'est une plaisanterie. Ok, il va y avoir un peloton d'exécution. Donc là, on va aller chercher le dernier. Donc là on ramène toute notre cavalerie comme ça, on sait qu'on pourra faire la différence. Je déteste quand les unités sont buggées. Oh là nos guerriers, qu'est-ce qu'ils ont mangé? Je vais peut-être ramener les skieri ici. Allez, mais qu'est-ce que vous faites, vous googlisez? Ouais. La capitaine Ganzo va se prendre la douche. Et voilà, c'est terminé. Avec une armée, on a réussi à prendre Constantinople. Là, je suis plutôt content. Day of reckoning has come, and when he opened the seventh seal, there was silence. Et voilà, nous avons la victoire militaire avec l'Empire Unique, les Huns d'Attila. On va juste regarder un peu. Ouais, oh la vache, nous, qu'est-ce qu'il nous en reste peu. On va les disperser. Il faudra peut-être s'occuper d'une de ces lots, mais bon, ça je le ferai en tout seul. Donc on a terminé la campagne. Juste pour voir les objectifs avec la victoire ultime, c'est quoi? Le triomphe divin.
Il nous faudrait quoi? La Thrace, la Narbo, Recit Noricum, la Macédoine qu'on est en train de raser. Il nous faudrait plus de bâtiments, d'accord. Plus de technologie. Bon, les richesses sur les hommes, mais bon. Il nous faudrait 100 territoires par contre. Hein. Bon, bah, c'est pas mal. Hein. Ben, l'Empire Unique, comment il s'est développé. Dire qu'on est parti d'ici, là. 1, 2, 3, 4 provinces qu'on a dû abandonner en Hercynie, en Dacie et en Transcarpathia. On a vite consolidé nos efforts en Dacie sur notre province capitale. On est allé taper ensuite dans les steppes jusqu'en Transcaspia pour la victoire mineure. Et ensuite, on est revenu en force en Occident après nos campagnes fructueuses. L'Empire romain d'Occident qui est petit à petit tombé sous nos coups. On l'a bien amouché, hein, la preuve. Et bon, la Macédoine, on l'a bien pillé quand même. Hein. Speak your terms. Il veut pas la paix par contre, ça c'est certain. Mais là, l'Empire romain d'Orient, il a pas mal de problèmes, entre autres. Les Sassanides, nous. Est-ce qu'il est en guerre avec quelqu'un d'autre? Non. Ah si, il y a l'Empire romain d'Occident est en guerre avec lui aussi, ok. Eh ben, c'est pas mal pour clôturer cette série. Bon, on n'aura pas eu de bataille navale, certes, mais au moins, ça c'est fait. Donc, je vois un peu ce qu'on peut faire à Constantinople. Ça, on va le détruire. La cour royale, on va la détruire aussi. L'acte de siège aussi, ça aussi. Constantinople, on va la garder au niveau 4. Et voilà. Bah, du coup, on va s'arrêter là pour cette campagne. Hein. J'espère qu'elle vous a plu quand même. J'ai vu qu'il y avait un bon suivi au début. Bon, après, bon, ça s'est cassé la figure, mais bon, je peux comprendre. 15 épisodes, je pense que c'est plutôt pas mal. Donc, la prochaine série que je vais faire sur YouTube. Il s'agit de la campagne, bah, je reviens sur Third Edge Divided Conquer, la version 4, donc V4, qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça, je crois qu'il n'y a même pas 2-3 semaines, pas plus, de mémoire. Je vais refaire ma campagne avec les hangars. J'ai prévu une campagne particulière, donc, mais vous verrez ça dès que je lancerai la série. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Si vous avez un commentaire ou autre à faire, n'hésitez pas. Si vous souhaitez faire un don à la chaîne, n'oubliez pas la page Tipeee. Il y a aussi la chaîne Twitch pour les streams, essentiellement le week-end. Même si en ces temps de confinement, bah, j'en fais un mercredi soir. Donc voilà. Et c'est tout. Je voulais vous remercier d'avoir suivi cette campagne et la chaîne, les amis. C'était Kaiser von Karstein. Merci d'avoir suivi et à bientôt.